Je dois dire, il y a quelque chose de très très beau dans ces vallées de l'Aveyron et du Tarn, où c'est tout très très verdoyant à cette saison. Et il y a des petites maisons, ça et là, en pierre, et il y a quelque chose hein, qui... Je sais pas, c'est très agricole, et à la fois il y a un côté reculé. En tout cas, je suis assez une belle surprise, cet Aveyron et ce Tarn. Et le but là, c'est de se retrouver sur la côte basque, sûrement dans quelques jours. Donc on va passer le Tarn et ensuite tout ce qu'il y a après, vers l'ouest. Toujours vers l'ouest, faut toujours aller vers l'ouest quand on est un peu dans le doute. Et dans ce sud-ouest là, en fait, on ressent une sorte de tranquillité. Chez les gens, dans les endroits, c'est très paisible. Et moi, j'associe ça à probablement la densité de population. C'est la théorie selon laquelle, et j'ai beaucoup exploré ça en Amérique du Nord, dès qu'un endroit est moins densément peuplé, ou qu'une aire est moins densément peuplée, eh bien la culture et l'humeur et l'atmosphère générale va s'en ressentir. Et c'est quelque chose qui se vérifie, mais je suis pas sûr à 100%, mais vraiment dans beaucoup d'endroits dans le monde, peut-être partout dans le monde. Et ici particulièrement, à cet endroit dans le sud-ouest, il y a quelque chose de très calme. Les gens sont très sympathiques, mais ils ne sont pas exubérants. Les gens se respectent et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les cultures d'endroits pas très densément peuplés. Là, je suis sur une toute petite route, mais... écoutez ce calme. Alors si je dois vous dire quelque chose, c'est que moi, vers la fin des années 90, début des années 2000, j'ai grandi dans le sud-ouest, pas très loin d'un endroit qui s'appelle Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Et après j'en suis parti, et j'ai toujours gardé en moi cette... Peut-être c'est parce que je l'idéalise, mais c'est cet amour du sud-ouest de la France, qu'il soit ici, qu'il soit dans l'Ariège, dans les Pyrénées, qu'il soit dans le Pays Basque, dans les Landes. Par contre, je suis jamais allé un peu plus haut que les Landes. Surtout quand je suis allé là-bas, c'était quand j'étais tout petit. Donc ça fait que j'ai assez hâte de trouver ces endroits en tant qu'adulte et de les explorer comme j'explore depuis plusieurs années, et vous le savez, vous explorez avec moi. Et ça, je trouve ça assez excitant en fait, parce que c'est un peu se réapproprier des endroits par soi-même. Et donc le voyage a commencé, hein, mais on est dedans là. On est au cœur du sud-ouest là. Là, on peut pas être plus au cœur. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Je vais donner des dates pour nos rencontres en librairie. Il n'y en aura pas beaucoup parce que je suis assez dernière minute et donc les librairies, ils n'aiment pas beaucoup ça. Je peux vous dire qu'il y a une librairie, et ça je vais en reparler plus tard. Elle est, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pénestin, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelle le Bateau-Livre à l'entrée de la Bretagne et ça va être le 16 mars. Je mettrai le lien dans la description. Mais ça, c'est confirmé et j'ai très très hâte parce que c'est des endroits que je ne connais pas du tout là-bas. C'est sur la côte atlantique, à l'océan, et l'endroit a l'air extraordinaire et les gens ont l'air aussi extrêmement sympathiques. Donc moi, je vous donne rendez-vous le 16 mars là-bas. D'ici là, je vais faire sûrement d'autres vidéos, mais si vous avez un agenda ou si vous voulez prendre votre van, si vous voulez venir discuter van life, je sais pas qui c'est qui va venir, mais j'ai vraiment hâte de ce petit événement. Je veux pas en faire beaucoup parce que je veux pas non plus que ça devienne quelque chose de très stressant, avoir des dates tout autour de la France. Mais pour l'instant, j'ai cette date. Donc, notez-la dans votre agenda. Allez, bye, à la prochaine. J'ai plus l'habitude de marcher, moi. Et je suis complètement perdu. Mais bon, dans le sud-ouest, on n'est jamais perdu. On est juste sur une route où il n'y a personne.